Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour la suite de ce que nous avons commencé. Ce sont des révélations. S'il le savait, il ne retournerait pas dans son village. Et oui, à cause de quoi? À cause de qui? À cause des sorciers et de ce que les sorciers lui ont fait. C'est un témoignage raconté par une femme. Vous risquez d'être choqués. Écoutons. De plus en plus, on a ces familles qui nous détruisent un peu. Je vais raconter l'histoire que ma maman m'a racontée. Elle s'est déroulée il y a plus de 30 ans. C'était un ami à elle qui est rentré de France. Il est rentré médecin avec son épouse, une Française. Bon, comme tout bon Camerounais, il a dit vivre d'abord dans son village, travailler un peu, être au service des siens même pendant une semaine avant de remonter sur la route. Malheureusement, là-bas, il a travaillé la première journée, tout s'est bien passé. La deuxième journée, tout s'est bien passé, tout s'est vraiment bien passé. Les gens étaient contents parce qu'il était médecin, donc c'est rare dans nos contrées, surtout 30 ans avant. La troisième journée, il a travaillé jusqu'à 13 heures, il s'est senti fatigué, il a dit aux gens de revenir vers 14 heures. Je ne sais pas si vous me suivez bien, hein, donc voilà. Il a travaillé, il leur a dit de revenir dans l'après-midi, qu'il était trop fatigué. Alors les gens viennent à 16 heures. Un enfant part le chercher pour lui dire, ben on te cherche quoi, les malades sont là. Il ne se réveille pas. On cogne la porte où il dormait, il ne se réveille pas. Puis son père, qui était encore vivant, vient ouvrir la porte. Il trouve que son fils est passé, qu'il est décédé. Dans notre coutume à nous, parce que moi je suis du centre, je suis Bassa. Quand ça arrive comme ça, on dit non, c'est pas normal, quelqu'un en bonne santé, il ne peut pas passer comme ça. On cherche à savoir ce qui s'est passé. On a consulté chez nous on appelle les Mbombok. Ailleurs on dirait peut-être les mages, mais bon, chez nous c'est les Mbombok. On a consulté les Mbombok pour savoir ce qui se passait. Alors le Mbombok dit à la maman du monsieur de parler. Parce que c'est elle qui sait ce qui est arrivé à son fils. Et c'était, en passant, son seul garçon. C'était son seul garçon. Après, il n'y avait que des filles, quoi. Donc, le seul sur qui toute la famille comptait, en fait, pour assurer la descendance. Donc, la maman, d'abord, puisqu'il y avait du monde, elle a nié. Mais à la fin, elle a dit que lui, elle était dans un club. Je pouvais appeler ça comme ça, un club, hein. De mangeur d'enfants et que c'était son tour pour elle aussi de donner son fils. Elle ne pouvait pas faire autrement. Elle a essayé, elle dit qu'elle a voulu donner un autre enfant, mais on lui a dit que non, il fallait qu'elle donne l'enfant qu'elle aimait le plus. Et c'était ce garçon-là. Donc c'était la petite histoire que je tenais à vous raconter. C'est vrai, hein, en naissance, on dit que notre famille est toujours là pour nous, mais parfois, malheureusement, on tombe dans des familles qui n'en sont pas... une quoi. Malheureusement, c'est un peu la petite histoire que je voulais partager. Mes frères et sœurs, c'est ça même qui est ça. Il ne faut pas qu'on se montre la sorcellerie dans la famille aujourd'hui. Moi, je suis là, je suis même sur le terrain et je vois. Je vois. Tu peux sortir et croiser 1000 personnes sans trouver une personne qui n'a pas la sorcellerie. Tu vas sortir, tu vas aller dans un centre commercial sans croiser une personne qui appartient à Dieu. C'est-à-dire que tous ces gens-là sont qui? Sont quoi? Sont comment? Le monde est perdu. Nous sommes des hommes terribles. Et dans les familles, c'est la sorcellerie qui règne. Surtout en Afrique. Mais si vous vous dites que ce n'est pas dans toutes les familles, ce n'est pas dans toutes les familles, ça c'est vous qui voyez. Mais moi je vous dis, apprêtez-vous. Apprêtez-vous pour ne pas être surpris par les choses rares qui vont vous arriver. Faites très attention, surtout quand vous mettez les pieds en Afrique. L'Afrique, c'est un champ de bataille terrible. C'est la guerre spirituelle grave et totale qui est ici. Hein? Si toi tu quittes l'Europe, tu vis en Afrique, reste tranquillement chez toi. Ne cherche pas à te faire voir dans le quartier.
ni appeler aux gens de ton village. Ces gens-là ne vont jamais apprécier le bien que tu allais faire. En plus de ça, ils vont te tuer pour me déçu. La seule récompense qu'ils vont te donner après que tu les aies fait du bien, c'est de te faire du mal, c'est de te tuer, c'est de te faire la sorcellerie sur toi. Et c'est ce qui se passe en Afrique. C'est pourquoi de plus en plus de personnes qui ont réussi en Europe, quand ces gens-là reviennent, ils préfèrent ne pas dilapider leur argent. Juste, ils préfèrent juste construire une entreprise et demander aux jeunes de venir travailler, mais donner l'argent à quelqu'un. Mais à main comme ça, c'est devenu difficile pour eux. Et les Africains commencent à dire, oh, vous là, vous êtes avare. Oh, vous là, toi là, tu es avare. Avec tout cet argent que tu as là, tu es avare. Ah, c'est comme un footballeur du pays. Il a réussi, il a fait beaucoup de choses. Mais le gars, sa mère est dure. Il ne donne pas l'argent comme ça. Mais il a quand même construit des hôpitaux, certaines choses pour aider les gens. Les gens ne reconnaissent pas ça. Il veut que le gars soit avec eux, parmi eux, dans leur sorcellerie. Chose qu'il a refusée. Et comme il a refusé ça, ces gens-là le boycottent dans tous les sens. Faites attention, les frères et sœurs. Très attention. Très, très attention. Surtout quand vous êtes en Afrique, ou que vous venez en Afrique, ou même que vous croisez un Africain. Et oui, c'est-à-dire que même si vous êtes chez les Blancs, même si vous êtes en Europe et que vous croisez un Africain, c'est même dangereux. Parce que ces gens-là, la plupart sont dans la sorcellerie. Ils sont animés d'un esprit de destruction. Ils n'aiment pas voir les gens réussir, ni évoluer. Quand vous avez réussi, ils deviennent tout en même temps jaloux. Faites très attention. On va aussi écouter une autre histoire. Donc l'histoire que je vais raconter là, c'est l'histoire de mon petit frère. Donc c'est lui qui l'a vécu. Il était encore au primaire, je crois au CM2, quelque chose comme ça. Et on était en vacances, mais comme il s'était mal comporté, lui, il n'est pas parti en vacances. Mon père l'a expédié au village. Donc quand il allait au village, c'était sa première fois, je crois. Mon oncle, en fait, chez qui il devait aller, était instituteur dans un autre petit village. Donc, ils sont allés là-bas et tout avec mon oncle, tout ça. La journée, les enfants, en fait, donc mon frère et nos deux cousins, ils partaient dans la forêt. Et dans la forêt, au début, on lui racontait des histoires un peu folkloriques, on va appeler ça comme ça, des génies. Donc, je pense que chez vous, vous les appelez les pygmées, c'est ceux ils sont tout petits, ils ont les pieds retournés. Et ils habitent oui, ils sont tout petits. Ils ont de très longs cheveux et ils ont leur pied, en fait, est retourné. Leur pied regarde dans l'autre sens. Et ces entités-là, en fait, dorment dans de grands arbres, des fromagers. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais en Côte d'Ivoire, il y a des arbres qu'on appelle des fromagers. Ils sont vraiment très, très, très grands, très hauts. Et il y a des épines, en fait, sur ces arbres-là. Donc, il s'avère que ces génies-là, donc oui, ces génies-là habitent, en fait, dans l'arbre ou sur l'arbre. Moi, je ne sais pas trop exactement. Et eux, ils partaient à la chasse parce que mon frère, on lui a raconté ça. Donc lui, vu qu'il ne croit pas, parce que nous, on a grandi en Europe et on était reparti en Côte d'Ivoire pendant un certain temps, le temps qu'on réaffecte nos parents. Donc, donc lui, il ne croyait pas à ces histoires-là et tout. Pour lui, c'était du folklore. Donc il voulait voir. Donc ses cousins, donc nos cousins, l'emmenaient dans la forêt à la chasse des génies. Fin d'après-midi, comme ça, et comme le soleil commençait à dormir, à se coucher en fait, ils sont tombés sur une vieille femme dans la forêt qui leur a dit de rentrer à la maison. Mon petit frère, c'est un blanc dans la tête, donc lui, voilà, il s'en fout. Il est venu, il veut aller au bout de son truc. Donc, quand ils descendent, ses cousins disent, écoute, rentrons parce que il commence à faire nuit et tout, rentrons. Mon petit frère dit non, lui il veut continuer, il veut trouver ses entités. Vous m'avez parlé de quelque chose, moi je veux voir si c'est vrai. Ils disent bon, demain on revient.
Et quand ils partent, donc la vieille femme, elle était là, hein. Eux, ils ont laissé la vieille dame, ils sont partis, et à l'orée de la forêt, ils retrouvent la même vieille dame qui leur a dit de sortir de la forêt et de rentrer à la maison. Donc déjà là, c'était un peu... Bon, mon frère, il a commencé un peu à paniquer, mais ça l'a motivé. Ça l'a motivé. Ça, c'est comme ça qu'il m'explique ça, en fait. Ça l'a motivé. C'est non, c'est une sorcière ou c'est la gardienne de la forêt ou un truc comme ça. Et le lendemain, ils sont repartis et ils ont commencé à ils ont fait des lance-pierres et tout. Et ils ont commencé à tirer dans les arbres n'importe comment et tout. Et quand ils ont commencé à tirer dans les arbres, mon frère me dit qu'il a vu un petit truc sauter et courir, et ils ont commencé à leur lancer des trucs pour les lapider, eux, donc les trois garçons. Et en fait, ça a été comme une guerre, en fait. On leur lance, eux, ils lançaient des trucs et les génies leur lançaient, mais il fallait pas qu'ils se fassent toucher. Et malheureusement, mon cousin a reçu un coup sur la tête. Donc, ils ont pris mon cousin, ils sont rentrés à la maison. Et mon frère, il voulait revenir le lendemain encore pour pouvoir s'attaquer à ces entités-là. Et quand ils sont arrivés à la maison, dans la nuit, mon cousin, il a commencé à faire de la fièvre. Il a commencé à faire de la fièvre. Ils n'ont rien dit aux parents parce qu'ils avaient peur. C'est là que mon frère explique à mon oncle que, voilà, ils sont allés dans la forêt. Et ils ont trouvé des... En plus, c'était un vendredi. Chez nous, les vendredis, on ne va pas dans la forêt, déjà. Donc, ils sont allés un jour interdit. Ils sont allés dans la forêt et il n'a pas dit que ce sont eux qui ont commencé à provoquer des choses dans la forêt, hein. Ils ont dit que, y avait des esprits qui leur lançaient des choses, en fait, qui leur lançaient des cailloux. Et il y a une des choses qui a tapé la tête de mon cousin. Donc, mon oncle, il n'est pas trop dans les. Lui, il est venu enseigner là, en fait. Il n'habite pas là. Donc, il n'est pas trop dans les traditions. Il vient de la ville, lui. Donc, il ne connaît pas ces choses-là. Donc, ils sont allés à l'hôpital. À l'hôpital, il n'y avait rien. Ils n'ont rien trouvé. Et le lendemain, mon cousin est décédé. C'est lui qui avait reçu le coup, en fait, qu'on lui a lancé. Donc, mon frère a essayé d'expliquer, mais tu vois, comme c'était des enfants, ils étaient en primaire. Donc, je pense que leur parole n'a pas été prise au sérieux. Ils n'ont pas fait de recherche, parce que chez nous, quand on peut faire parler le cercueil, on peut faire parler le mort pour savoir qui t'a tué et tout, mais ça n'a pas été fait du tout, parce que mon oncle, il n'est pas dans ce genre de choses. Donc, il n'a pas voulu, il a dit, OK, il est mort, il a eu un palu et il est mort. Donc, c'est comme ça que mon cousin a été enterré. On s'est dit, là, il a le palu et puis voilà. Mais c'est juste pour dire aussi que ça a été répété plusieurs fois. Quand on va quelque part, même si c'est chez nous, hein, même si c'est notre village, vous avez reçu un premier avertissement, sortez de là, vous sortez de là. Déjà, la personne qui vous a prévenu a l'air bizarre. Vous l'avez laissée dans la forêt, vous venez la retrouver à la sortie de la forêt et vous avez l'audace de retourner là-bas. Un autre jour, en plus un jour interdit, le jour où il ne faut pas rentrer dans la forêt, c'est là que vous retournez encore dans la forêt. C'est une violation, en fait, des règles du village, de ce campement-là, en fait. C'est une violation. Voilà. Donc, c'est à nous aussi de respecter ce qui est établi dans les lieux où nous nous rendons. Voilà. Nous ne devons pas faire les choses Je tenais à à notre préciser aussi que chez nous, ici au Cameroun, quand on parle de pygmées, ce n'est pas les gens qui ont les pieds retournés. C'est quoi? C'est juste des personnes de petite taille. La fraîcheur de votre ce qu'elle a dit, non? En tout cas, si vous n'êtes pas fort spirituellement, ne faites pas certaines choses. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Salut DMG. Salut tout Salut. Le monde. Je vous prie de bien vous la partager et de liker, s'il vous plaît. Ok. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire que ma grande sœur a vécue. Ça s'est passé du côté des Bolova, à l'internat de. L'internat Bono. Bono et Bolova. Les gens qui veulent Google, ils peuvent Google. Du coup, comme chaque rentrée se font les rentrées des internes se font en fin novembre, fin août plutôt. Du coup, dès que la rentrée arrive, les internes commencent à arriver au mois de fin d'août. Du coup, ils arrivent. Et après, maintenant, on est la rentrée en septembre, comme d'habitude. Maintenant, alors, la rentrée se passe bien. Tout se passe très bien. Et le truc important, c'est que
à l'internat Bono qui est Bolova, il y a, en fait, il y a presque tout. Il y a les Gabonais, les gens de Guinée équatoriale, les Camerounais, tout ça s'est mélangé, comme c'est pas très loin de la frontière. Du coup, désolé, je sais pas, je crois que le Covid, mais bon. Au mois de décembre, du coup, la rentrée se passe bien. Et maintenant, au mois de décembre, il y a une, comment on va dire, comme une épidémie ou bien comme un truc qui se passe dans l'établissement. On commence à entendre que telle personne s'est évanouie, tel élève, tel interne s'est évanoui à l'établissement, tel interne s'est évanoui à l'établissement. Ça s'est passé genre chaque semaine, il y avait des gens qui s'évanouaient à l'établissement. Maintenant, comme chaque dimanche, chaque mercredi et dimanche, il y avait la messe, on se rend compte qu'il y a certaines filles qui manquent à l'appel. Il y a trois filles qui étaient toujours absentes à la messe, une venait proche que je ne savais jamais à l'église, jamais du tout. Chaque fois qu'on disait que c'est l'heure de prière, l'autre dit non, j'ai mal à la tête, je ne me sens pas bien, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai comme ça, j'ai comme ça. Et cette fille-là marchait toujours au nombre de 5. Mais trois semaines avant les vacances de Noël, deux d'entre eux ont dû voyager parce qu'ils ont perdu le frère. Et trois autres sont donc restés à l'internat. Et maintenant alors, on se rend compte que les gens ne font que tomber malades, ne font que s'évanouir, ne font que mourir à l'établissement. Il y a eu deux morts à l'établissement, chez les internes. Du coup, il y a le prêtre alors qui demande « Ok, on va faire une grande messe, une grande prière pour voir ce qui ne va pas et trouver une solution. » Du coup, on fait la messe dans la grande chapelle. Les filles qui étaient censées venir encore à l'église, qui ont l'habitude de manquer, ils ne viennent pas. Ils disent qu'ils ne se sentent pas bien, ils ont le palais, ils ne peuvent pas venir. Du coup, c'est comme ça maintenant que le prêtre, il décide d'aller visiter les dortoirs pour voir ce qui se passe avec les filles, qu'est-ce qui ne va pas et tout ça. Du coup, il arrive, dès qu'il va entrer dans les dortoirs, il se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas en fait. Il n'arrive pas à entrer dans les dortoirs. Il y a un truc qui est louche, il ne comprend pas ce qui se passe. Du coup, directement, il sort, il retourne dans son bureau, il appelle l'évêque. Que c'est comme ça, il y a un truc qui se passe bizarrement dans... Il y a un truc qui se passe bizarrement dans la chambre de certaines filles qui sont impures. Du coup, l'évêque dit qu'il n'y a pas de souci, je vais donc venir. Mais on dit qu'ok, cette chambre des internes, combien de personnes occupent cette chambre? Il se pourrait que c'est cinq filles qui occupent cette chambre, mais par contre, deux sont en vacances, deux ont dû voyager parce qu'ils ont perdu le frère. Du coup, l'évêque dit qu'ok, il n'y a pas de souci. Du coup, on n'a qu'à les faire revenir parce que c'est très important. Puisqu'il y a des gens qui meurent à cause de ça, du coup, ça serait bien si tous les internes soient présents lors de mon arrivée. Donc, c'est ça qu'on appelle les deux filles qui étaient absentes, dit que non, de venir, c'est obligatoire, il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, il faut faire une grande messe et tout ça, il faut que tout le monde vienne. Les parents ramènent les deux filles. L'évêque arrive. Dès qu'il va entrer dans les chambres, il se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Du coup, il prend le béni, il verse, il tape, il dit les trucs en latin, là. Il bavarde des trucs en latin. Il retourne dans son bureau. Il avait une Bible en la main, du coup, et après, il retourne dans son bureau, il prend une autre Bible. Un truc énorme, c'était trop bizarrement. Une autre Bible, et du coup, il entre avec. Dès qu'ils arrivent, ils disent ok, qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre? Il y a un truc qui ne va pas dans cette chambre, vous n'avez qu'à expliquer ce que vous avez fait. Les filles commencent à nier, disent que non, on ne sait pas, rien ne s'est passé, il n'y a rien, il n'y a absolument rien, il n'y a rien du tout. L'évêque dit que vous n'avez qu'à dire la vérité. Si vous ne dites pas la vérité, ce qui va se passer, vous serez les seuls responsables de ce qui va se passer. Le prêtre commence à prier, l'évêque commence à prier, il prie, il prend la bague qu'il a au niveau de l'index, il commence à bénir ça et puis il touche le front des filles avec. Les filles ne font que crier, font que crier. Parmi les cinq filles, il y avait deux Gabonaises, deux Camerounaises et une autre qui venait de la Guinée équatoriale. C'est là que les deux filles gabonaises se mettent à crier, du coup, qui attendaient, on va raconter. C'est là qu'ils se mettent à raconter que ils ont fait une pratique dans les chambres. Genre les pratiques qu'on fait avec le truc qui est comme l'étoile là, avec cinq côtés. Il faut cinq filles. Du coup, ils prenaient leurs règles, ils mettaient à chaque coin de l'étoile pour invoquer leur génie. Le prêtre dit ok, vous avez donc invoqué quel génie, c'est quand est-ce que ça s'est passé. Il dit c'était parce que après la rentrée au mois de octobre, avant la fête d'Halloween, ils ont fait une petite cérémonie. Du coup, ils ont invité les deux filles camerounaises de participer avec eux. Et c'était que chacun devait donner quelqu'un dans sa famille. Et les deux filles camerounaises, au coup, ils ne savaient pas que c'était comme ça qu'il fallait que ça se passe. Premièrement, il y a
le frère des deux filles gabonaises qui est mort, après le frère de la fille guinéenne, et maintenant c'était le frère des deux filles camerounaises avant qui est aussi mort. Le prêtre dit ok, et maintenant qu'est-ce que vous avez dans évoqué, qu'est-ce qui est sorti en fait, qu'est-ce qui est sorti quand vous avez fait vos pratiques, parce que sûrement il y a un truc qui est sorti. Et dit que non, rien n'est sorti, rien n'est sorti, rien n'est sorti. L'évêque demande qu'on ferme la porte, on ferme la porte. Il allume les bougies rouges avec des trucs, tout ça. Il se met à prier, il se met à faire des trucs. Il verse de l'eau bénie. Il dit les trucs de la Bible et tout ça. C'est comme ça que sous le bas du lit d'une fille, un gros serpent qui sort à l'intérieur, qui sort du lit. Il commence à crier, L'évêque ne fait que prier, Et après quelques instants après, il ouvre la porte. Dès que les autres prêtres entrent, on voit que le serpent est au sol et il est mort. Tous les fions ont été renvoyés et ouais, la vie a continué. C'est grave, hein. Les internats, là, vraiment, je ne sais pas si c'est... Finalement, d'autres, j'entends beaucoup de trucs, là. L'internat est bien, hein. Ça va te dresser l'enfant. Si tu as un enfant délinquant, tu l'envoies à l'internat et tout et tout. Après, quand tu écoutes certains témoignages de l'internat, je te dis... Là-bas, c'est un autre monde, bien c'est le même monde là. Je vois tout dire ça, frère et soeur. C'est grave. C'est vraiment très grave. Je vous donne maintenant rendez-vous pour la prochaine vidéo sur ce board. Abonnez-vous à la cloche et restez connectés.